voilà. Don fils François Toko. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, c'est un jour heureux pour nous et pour vous tous ici réunis. Et je me fais ce devoir et le plaisir de vous lire la biographie de celui qui nous permet de célébrer Jésus-Christ aujourd'hui. Qui est notre papa, notre frère, notre ami. Nous allons donner en bref ce que sa vie, parce qu'il est encore en vie aujourd'hui. Monsieur Michel Alfred de Ndamou est né à Goma, à Croix-Rouge, le 21 mars, c'était un secteur 21 mars comme séjour, 1949, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes pris à l'âge où on cachait les âges, mais je pense que c'était une joie immense, parce que nous sommes là parce qu'il a atteint 75 ans. Ici, de l'union de M. Mbongouvoie du Paul et Mme Massissa Benza Hélène P. Alexandre. Je pense qu'on peut se mettre debout pour une minute, parce que si aujourd'hui nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, pour M. Alfred, Michel Alfred, c'est parce qu'il y a un certain Paul Mbongou et Mme Hélène Massissa. Je vous remercie, nous pouvons nous asseoir. Il est le deuxième né d'une famille de 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons, et 2 de ces 5 enfants ne sont plus avec nous aujourd'hui. Il est originaire du village Ilachua, secteur de Mbav, secteur de Sekebanza, district de Bafleur, dans notre chère province du Congo central. Il a fait ses études primaires à l'EPS École Goma, pour ceux qui en connaissent, à Goma ici à côté, de 1956 en 1963. Les études secondaires et humanitaires à SCK Kambou dans les Mayombe, de 1963 à 1969, avec option pédagogie normale. Il a effectué son stage. Il a effectué son stage professionnel à l'EPS Sainte-Cécile de 1969 à 1970. Actuellement, on appelle cette école EPTELEMA, le bon mardi. Voici ce qu'a été son parcours professionnel, qui est aussi impressionnant. Après son stage à l'EPS Sainte-Cécile, il a été retenu comme enseignant de 1970 à 1973. Aussitôt après, il n'a fait que 3 ans d'enseignant. Il a été nommé directeur de l'EP Moana 1 à Moana Mission en ville. Et une année après, de 78 à 70, de 77 plutôt à 78, il a été invité, vous allez peut-être le constater, l'enseignement n'est plus comme ce que cela était avant, parce que moi je suis fils, je suis son fils, je suis fils de l'enseignant, on a bien étudié et on était appelé à tout moment à se balader. Là, on parle encore d'invitation. Et à l'époque, quand vous êtes invité, c'est la congrégation catholique ou l'État lui-même qui met à votre disposition les moyens, les déplacements pour vous rendre là où vous avez été affecté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il a été invité, ça c'était toujours un mandat, de 77 à 1978 comme directeur de l'EP jusqu'au Moana. Après cela, de 1978 à 1985, il a été invité en Vango, à l'EP Vango dans les Kakou. Et de 1985 à 1987, il a été invité encore une fois de plus à Boma pour être directeur de l'IBM 3, l'école primaire IBM 3 à Boma en ville. C'est en 1987 qu'il a été affecté après avoir réussi un concours brillamment. Il a été affecté comme stagiaire, inspecteur stagiaire plutôt, à Kisangani pour une formation d'une année. Nous, on était petit à Boma,
Il a passé un concours, je pense qu'il s'est passé aussi, je pense, 2 ou 3 ans avant qu'il soit appelé pour aller en stage à Kisangani pendant une année. Et de son retour de Kisangani, il a été affecté en 1988 à 1989 comme inspecteur itinérant au bout de TPC à Lukala. Donc il a été un pigeon voyageur. Comme l'abbé Innocent l'a dit, en principe sur notre ciel, il devait mériter un repos vraiment très rémunéré. Après cela, il a été en 89 et 90 inspecteur itinérant au pôle de Goma. Et je dois préciser que chaque fois, il a été sollicité. Compte tenu de ce qu'il représentait en termes de qualité de travail, c'est ce qui a permis qu'il allait partout où il y avait des petits soucis et apporter sa petite pierre. Après 1990-1992, il est affecté inspecteur résident à Mwanda pour les poules de Goma, parce qu'à l'époque, à Mwanda, il n'y avait pas un poule. C'est des poules, Mwanda appartenait aux poules de Goma, poule primaire Goma, mais on avait décidé d'affecter définitivement sur place un inspecteur qui va s'occuper des écoles primaires et des environs de Mwanda. En 1992 jusqu'à 1993, non, en 1993, il est affecté inspecteur exploitant chargé d'administration et finance à l'inspection principale régionale à Matadi, ici, où il a rejoint celui qui était l'IPP à l'époque, qui a sollicité ses services, il a été nommé, il avait besoin de lui à côté pour l'aider dans l'administration et les finances. Et puis en 1993 jusqu'en 1994, il est affecté comme inspecteur exploitant à l'évaluation primaire à Matadi, toujours ici. Et en 94, de 94 jusqu'à 2004, il est affecté, maintenant il a été affecté pour aller ouvrir ce qui est aujourd'hui le pôle de Mwanda. Parce qu'il n'existait pas de pôle à Mwanda, c'est lui qui est rentré pour commencer le pôle primaire à Mwanda City. Et de 2004 jusqu'en 2006, il a été rappelé encore une fois de plus à Matadi, c'est une promotion, comme inspecteur principal provincial adjoint et chef de la cellule provinciale du CERNI ILPS Bakongo 1. Parce que là, à cette époque, on avait déjà civilisé la province du Congo central rwandais. Il y a la Bakongo 1, dont l'IPP était à Matadi, et Bakongo 2, dont, si je ne m'abuse, l'IPP est en Matamou. Et depuis 2006, à ce jour, il est inspecteur principal provincial adjoint, chargé d'équivalence des titres et pièces scolaires au Bakongo 1 ici à Matadi. Qu'en est-il de sa situation, de son état civil? C'est vrai, il était marié à Madame Pemba Toro Clémentine, de reste de moi, qui nous a quittés en 2011, qui est ma mère, dont est ici 6 enfants. Nani Rita qui vit en Allemagne, moi-même qui vous parle aujourd'hui, il y a Coco Thérèse qui vit aussi ça, il y a Guy Paul qui n'est pas là, qui a empêché, Noël Micheline et Arnaud Yeka. Avec cette union, il a 17 petits enfants. Comme la vie continue, il s'est remarié avec Madame Violette, dont je vais demander avec tout le respect de se mettre debout. Et donc, avec cet union, il a 3 enfants. Vous pouvez comprendre qu'on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Pour qu'il puisse l'amener la vie à la messe, tous ceux qui l'entourent doivent arriver à jouer le rôle qu'il faut pour les garder en vie le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à la personne qui a pris la grève de notre chère maman qui est partie dans l'au-delà. Vous pouvez vous asseoir, maman. Donc voici en bref ce que nous pouvons dire, ce qu'est la vie de notre cher papa ici présent, qui nous permet tous d'être là et de rendre grâce à notre Saint Jésus-Christ pour ses 75 ans d'âge. Je vous remercie. À cette caractère de ces gens, je ne vois pas
pédagogiste. Il est expert, vraiment un véritable expert que le pays doit exploiter en ce qui concerne l'enseignement primaire. Voilà des gens qui ont connu l'enseignement primaire dans sa candeur, comme un enseignant a fait un peu de la valeur. Et il a vécu le moment où l'enseignant n'avait plus de valeur. Et il continue à rester un enseignant de qualité. Et avec toutes les valeurs qu'il a gardées, il reste dans le milieu de l'enseignement. Applaudissons une fois de plus. Quelqu'un qui a une vocation. Je viens de dire que je suis très étonné de voir un formateur, et un véritable formateur, qui a formé non seulement les enfants d'autrui, mais qui a formé aussi ses enfants. À ce que nous venons d'entendre, nous devons vraiment remercier l'Éternel pour nous avoir donné Papa Gilbert Benza. Une fois de plus, merci, merci, merci. Applaudissons une fois pour toutes. Merci Papa François pour votre mot et pour la biographie bien détaillée. Nous allons suivre maintenant le mot de la famille par Papa Joseph Mata. Papa Joseph, si vous êtes là, vous pouvez venir pour le mot de la famille. Merci beaucoup, c'est au nom de la famille. Vraiment cher notre papa, notre grand frère, l'oncle, vraiment nous vous remercions vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, je remercie encore à la famille qui sont ici, qui sont venus. Il y a aussi d'autres qui ont resté, mais dans l'union, nous sommes toujours ici. Ne croyez pas que voilà, c'est lui, il n'est pas là. Nous sommes nous tous dans la famille, nous sommes ici. Merci aussi les invités. Nous sommes ici pour accomplir notre grand papa, notre papa, et pour son 75 ans. Là, vraiment, je vous remercie. Applaudissons Papa Joseph. Vous sentez que Papa Joseph manque de mots. Il manque de mots non seulement parce que le grand frère de leur oncle, mais c'est parce qu'il aurait voulu que tout le monde soit là. Il sent que c'est un peu vide parce que nombreux sont passés entre semaines. Mais quand cela ne tient, il a dit tout le monde est là, parce que tout le monde ne peut pas venir aussi. Et il y a des gens qui sont au-delà du pays. Et voilà. Papa Gilbert, considérez que tout le monde est présent pour vous honorer ce soir. Merci. Et maintenant, nous passons au monde des enfants. Lui par Papa François encore. Papa François, vous êtes invité pour le monde des enfants. Comme c'est pour toi aujourd'hui, j'étais là et je reviens encore. Il s'agit bien de Michel Alfred, parce qu'on m'a fait part qu'il y aurait un petit souci avec le nom, de la manière dont cela est prononcé. C'est Michel Alfred Mbengambongo. En fait, je me présente ici, je me tiens debout au nom de mes frères et sœurs, en commençant par celle qui est la première au niveau de notre famille, ma grande sœur qui est en Allemagne. Et de tout ce qui vient après, jusqu'au niveau des précaires, nous avons voulu dire ces mots à notre cher papa, qui nous aimons beaucoup, qui nous a beaucoup aimés. En fait, c'est un amour qui est semblable à l'amour de Jésus-Christ et nous les fidèles. Parce que nous disons que nous aimons Jésus-Christ, mais il a été le premier à nous aimer. C'est pour cela que nous aussi, en retour, nous nous apportons cet amour qui est aujourd'hui, pour manifester notre amour, nous avons voulu créer, mettre en place cette surprise pour lui. Parce qu'en fait, au début, on l'appelait notre papa, on le connaît très bien, même peut-être la maman qui a côté pour le dire, on savait que ça serait difficile de le faire. Il est tellement téméraire qu'il aime parfois être au centre et connaître tout. Donc,
Vraiment, qu'il a, ça a été vraiment difficile de gérer pendant tout ce long moment pour qu'on arrive jusqu'à pareil moment. Et je peux vous dire que même quand je m'ai appelé et dit mais qu'est-ce qui se passe, parce que lui n'était pas au courant, on a concocté avec M. Labbé, qui est là, M. Labbé Innocent, dont j'ai dit encore merci au nom de tous mes frères et sœurs. On a eu parfois des réunions par conférence call pour arriver à organiser cette journée. Mais on savait que c'était difficile de gérer les papas. Quand même j'avais envoyé des éclaireurs pour l'encadrer, mais ça n'a pas été facile. Je sais qu'ils n'ont pas eu la tâche facile. On a fait venir des neveux qui sont venus de Kine, soyez à côté pour les gérer, mais il a cessé de poser des questions pour vouloir savoir qu'est-ce que vous me cachez, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est même permis, il m'a appelé, je l'ai rassuré, t'en fais pas à la paroisse, on a tout fait. S'il faut faire déplacer les gens, tout ce qui va, vous pouvez vous rassurer qu'on a tout fait. Mais il a tout fait pour passer même à la paroisse, voir les curés. Les curés dont on remercie aussi aujourd'hui, qui nous a fait le plaisir de nous céder le temps pour rendre grâce à Dieu. Il est venu poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'on me cache. Et je remercie aussi d'emblée de Dieu tous mes oncles, tantes, frères et sœurs, neveux, nièces qui sont là parce que je vais vous rassurer que la surprise a été belle. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons fait ce qu'on appelle le col. Parce que je peux vous rassurer qu'ici, vous avez notre grand qui est ici, qui a pris la parole au nom de la famille, est venu de très loin de Kouba. Il a quitté Kouba pour venir ici pour faire la surprise. Et ils se sont rencontrés seulement ici, à la messe. Et nous avons aussi tous ceux qui sont venus de Kine qui sont là. J'aimerais aussi qu'ils puissent d'abord se lever. Je peux d'abord, on commence par celui qui est notre Mboumou. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il vient de loin. Il vient de très loin, il a bravé des routes calamitaires, série de motos parfois, pour arriver jusqu'ici. Et je vais aussi demander à tous ceux qui sont venus, comme moi, de Kinshasa, Campo, Yamani, Esther, Marina, tous ceux qui sont venus de Kine pour la surprise. Je vous dis encore une fois de plus merci. Pour eux d'ailleurs, il ne les a pas vus à la messe, il les a vus ici dans la salle. Et il y a aussi, on a dit qu'ils sont nés enceintes dès le sortir de ce monde. Il y a son petit frère et sa petite sœur qui sont là. Avec son petit frère avec son épouse, maman Hélène, et sa petite sœur, les deux sont venus de Mwanda. Ils sont arrivés ce jour aux environs de 14h30. Ils sont là pour faire la surprise à leur grand frère. Donc, je suis très ravi de me mettre ici devant vous. Vous pouvez vous asseoir. Et je ne manquerai pas de remercier vous tous, mes amis et connaissances. Vous qui avez pris de votre temps aussi précieux, et vous avez décidé de venir rendre grâce à Dieu avec nous par la messe. Et vous êtes là avec nous pendant ces moments de gaieté. On vous dit merci et vous pouvez applaudir pour ces temps que vous avez consacré à notre papa. C'est vrai que nous sommes là. Je sais que c'est par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il a bien dit pendant la messe qu'il a encore un corps physique qui peut apparaître comme quelqu'un qui avait encore et au moins de l'âge qu'il a atteint aujourd'hui, mais je sais que ce n'est pas par sa force que nous sommes là. Je sais que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Il a permis que nous puissions retrouver ici, c'est pour ça que je le rends aussi grâce. Peut-être que d'aucuns pourraient se poser la question de savoir pourquoi je commence par rendre grâce à Dieu, mais je vais vous dire, je n'ai pas envie de prêcher, parce que vous avez déjà prêché à l'église, mais je vais vous lire ce qu'il dit Ecclésiaste 9:11. Il dit ceci, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les plans, ni les peuples plutôt aux sages,
ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc, vous pouvez vous rendre compte, il peut avoir la force physique qu'il a aujourd'hui. Mon père a été toujours un type fort. Et ne vous en faites pas, même son père, de son vivant, il avait déjà atteint des âges avancés. Il était toujours debout. Moi, je le souhaite aussi. J'aimerais bien le recevoir aussi, que je sois aussi debout comme vous, jusqu'à cet âge. Donc, pour dire que ni par l'intelligence, ni par, parce que ne vous en faites pas, il est très intelligent. Il est très intelligent. Et parfois, quand vous débattez avec lui, c'est vrai que lui, on a donné sa biographie ici, il n'a pas eu la possibilité d'aller faire des grandes études à l'université. Mais il y était déjà arrivé. Mais vous connaissez à l'époque, avec Don Poutine, il est arrivé à l'Unikin, précisément, et il a été rappelé par son père pour lui dire, moi, je suis déjà fatigué, je vais prendre ma retraite d'ici là. Il faut rentrer pour t'occuper des deux frères et sœurs. Il a décroché où il devait commencer de faire ses études à l'université de Chassa. Il est rentré pour enseigner. Mais malgré cela, malgré ce niveau-là qu'il peut avoir, je vous dis, il est dur à bouillir. Il est dur à bouillir. Et si je vous donnais, si je vous donnais un papier ici, un papier de Picatel, que nous connaissons tous, des couleurs blanches, qu'il puisse vous écrire, vous allez dire, mais il est à l'Académie française, comment? Ça, c'est une qualité que moi, je n'ai pas. Et vous verrez que ça ne sera pas de gauche à droite, ça monte et ça descend. Il va écrire comme si c'était un cahier quadrillé. Donc, c'est une dette, c'est un don, peut-être, même nous qui avons fait des études très avancées qu'on n'a pas. Et c'est pour cela qu'il est un don pour nous, ses enfants, parce que les bonnes. Nous les avons donnés comme un don béni pour nous encadrer et être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas par sa force et par tout ce qu'il a fait, sa brillance, ses états professionnels qu'il est là aujourd'hui. Mais nous rendons grâce, nous savons que s'il est en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a un Dieu. Il y a Jésus-Christ qui a voulu qu'il soit en vie. Vous avez dit, dans l'Église de France, on a parlé de temps et de circonstances. Ces circonstances ici, c'est parce qu'il y a un temps. Ces jours, le 21, un certain 21-49 et un certain 21-2024. Et le bon Dieu lui a fait grâce. Il est là, il a créé cette circonstance. Parce que même si nous avons fait cette surprise, nous ne l'avons pas fait par notre force. Mais on priait toujours le bon Dieu qui nous donne la capacité que cela puisse réussir. On nous confie toujours, comme le même l'a dit, qu'on puisse nous confier le projet pour que cela puisse réussir. Ce que nous avons fait. Il est le maître des temps et des circonstances et nous le rendons grâce pour tout cela que vous avez été dans nos vies et que vous continuerez à être parce que c'est notre souhait tous, comme l'a bien dit. Rendez-vous 25 ans après pour qu'on puisse encore célébrer davantage le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais dire peut-être trois témoignages pour ne pas vous prendre trop de temps. Vous m'excusez, je parle beaucoup. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je suis un serviteur de Dieu, je suis un pasteur. Les pasteurs sont des gens qui parlent avec vous. Je vais donner, pour vous montrer ce qu'est notre papa, je vais donner trois témoignages de moi-même, de ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Et j'ai quitté Mwanda en 98 pour aller étudier à l'Unikin. C'est vrai, déjà quand je suis arrivé, les équipements de l'époque, c'était. Je vois encore mes frères qui sont là, qui étaient avec nous, pour avoir une place à l'église, c'était une tâche difficile. Je me suis découragé et j'ai commencé. Et quand j'ai commencé au début, il y avait des complications. J'ai même dû reprendre. Et parfois, j'avais trouvé que je devais décrocher aussi moi aussi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas mériter ça. Et même c'est là où j'habitais à Kinshasa, on m'avait conseillé de quitter pour aller faire les nefs. Parce qu'à l'époque, quand on fait les nefs, on finit directement, on est engagé à l'OFIDA, la DGRAD ou la DGI. Mais je dois vous dire, frère, le papa a tenu mordicus en disant, contre mon effectivement, contre mon oncle, pour dire que moi, mon enfant, fera les études que moi, je n'ai pas pu faire. Il a dit que moi, j'ai voulu faire l'université,
cela ne m'a pas été donné. Moi, mon fils, doit faire l'université. Il doit finir à l'Iniquin. Malgré toutes les propositions, je n'ai pas pu quitter l'Iniquin. J'ai continué et j'ai fini à l'Iniquin avec les frères et sœurs qui sont ici avec nous. Donc, vous pouvez vous comprendre pour dire que c'est un père très visionnaire. Il avait la vision pour son fils et il a tenu mon église malgré vents et marées. Que ton objectif doit être accompli. Toujours dans le cadre de la vision. Je pense que j'étais encore en deuxième gradien. Dans son mandat, il m'a tendu un livre. J'étais encore en premier ou en deuxième gradien. Si ma mémoire est bonne, il m'a donné un livre qui parlait des ressources humaines. À l'époque, qu'est-ce que je pouvais en faire? Peut-être faire étudier, sinon cela ne me disait encore rien. Et j'ai fini à l'université. Mon deuxième emploi à la Robanque, là où je travaille, 2 ans après, j'ai été affecté aux ressources humaines. J'arrive aux ressources humaines, j'ai fait 10 ans là-bas, il y a 2 ans j'ai changé de direction. Et je vous dis, le jour où je me suis présenté au travail, avec ce livre-là, parce que ce sont des émissions CANISEC, je me suis présenté avec ce livre, mon directeur des ressources humaines, en passant avec le livre sur la table. Il a ouvert, il a fait. Et il dit, mais t'as trouvé ce livre où? Donc c'est mon père qui m'avait remis ça. D'ailleurs, à l'époque, moi-même, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait me servir. J'étais encore en premier gradé là. Donc, informe, on ne savait pas l'avenir des faits. Et les faits de quel mystère. Mais j'ai retrouvé parmi mes ouvrages, j'ai retrouvé le livre. Et je l'ai lu, il est vraiment très intéressant. Et je vous dis que mon directeur a récupéré ce livre depuis ce jour-là. Il m'a remis ce livre-là que le jour où il a été muté ailleurs. Et je suis allé l'appeler, chef, depuis que tu avais pris mon livre, tu ne m'as jamais remis. Parce que là, c'est comme, vous savez, on n'a pas seulement besoin de maison. On n'a pas besoin de l'or que les parents puissent vous laisser. Mais je pense que la formation qui nous a permis d'avoir, et ce livre-là pour la lecture, et plus que tout ce que nous pouvons avoir, parce qu'un livre qui m'a réuni, quand je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je serai appelé à faire les ressources humaines, m'a aidé et a aidé mon directeur des ressources humaines. Et je suis allé réclamer le livre. Chef, remettez-moi le livre parce que vous quittez les ressources humaines. Voici ces 2 points que je voulais vous donner. Il y avait 3 scènes, si ma mémoire ne va pas me trahir. Je pense que je peux m'arrêter là parce que le 3e diplôme que je voulais donner. Et j'ai des taux de mémoire, vous pouvez, comme l'a dit beaucoup, comprendre mon émotion. C'est une journée très spéciale. Et je sais que là où mes sœurs et frères, ils sont en train de vraiment de tressaillir de joie. Si vous pouvez être connecté directement, je pense que tout allait bien se passer. Je vous dis, je dis et je vous remercie. Merci, merci. Applaudissons une fois de plus. Applaudissons très très fort. Voilà, nous avons suivi un enfant, un jeune, un papa, formé par un papa. Il a eu la formation de formateur. Et aujourd'hui, il vient de nous reproduire. Je voulais m'asseoir avec 3 semaines pour vous témoigner, je désolé de venir. En fait, je voulais témoigner aussi pour dire que mon père, parce que quand Thierry a commencé à parler, c'était ça mon témoignage en fait. La formation. En fait, moi je suis un autodidacte en administration et en gestion. Parce que mon père que vous voyez là, quand il était mité pour aller ouvrir les poules primaires à mandat, il était seul. Il n'avait pas d'assistant, il n'avait personne. Et au début, il faisait tout seul. Saisir ses rapports. Il aime bien écrire et ses rapports étaient toujours excellents. Quand il fait ses rapports, c'est toujours apprécié par ses chefs. Mais on avait des machines à écrire à la maison. Et moi, tout en étant un enfant qui regarde et qui voit ce que fait mon père, j'allais toujours m'asseoir, je prends un livre que j'ouvre et je commence à saisir, à apprendre à dactylographier. Mais c'était des machines à écrire et on en avait 2 à la maison. Et le bureau, c'était la maison. C'était le salon. La salle à manger, c'était le bureau. Parce qu'il n'avait pas encore de bureau, il est allé pour ouvrir les poules primaires qu'il avait, où il n'y avait rien. Et
à partir de là, il a commencé à m'initier aussi dans la gestion. J'ai toujours dit que je suis allé aux ressources humaines, j'ai géré, mais il a été le premier à me monter les pas. Il a commencé à m'initier, il y a parfois des rapports, après il a eu un assistant, un deuxième, mais les rapports qui étaient confidentiels, comme je me suis exercé à cartographier, et j'ai commencé à saisir aussi ces rapports. C'est pour ça que je n'ai pas eu de problème pour travailler sur un ordinateur. Et je dois vous dire que j'étais encore sur le banc de l'école. Il m'a permis de suivre même les examens d'État. Il a entré dans la salle des examens d'État, comme il était le unique pour tout ce qui payait les frais pour les examens, il venait les payer chez nous. Les préfets, les nés, il venait payer les frais à chez moi à la maison, parce qu'à l'époque il était seul. J'étais devenu comme son assistant. Et c'est moi qui allais faire aussi le dépôt au niveau de la copains, à l'époque, je pense, il y avait les coopératives là où j'allais déposer de l'argent. Et comme lui, pour les examens d'État, on fait on bouge les poules, il a été envoyé, je pense, à Boula, et moi je devais rester pour attendre l'inspecteur des poules chef du centre, on avait envoyé à Manda. Et c'est moi qui avais les fonds, il était dans la salle, il devait payer les surveillants. Ça m'a permis tout en étant cinquième de sémanité. Je suis entré dans l'église protestante à Rwanda, alors c'est pas ces hommes d'État, à Rwanda, avec l'argent pour aller remettre au chef du centre pour payer les surveillants. Vous pouvez vous imaginer, j'avais bien serré dans la salle, je passais les examens, ils voient leur petit de la cinquième ou de la cinquième année de sémanité qui entre, qui est dans l'équipe, comme si c'était cordon, et je vous dis, après une année, j'ai été moi-même surveillant des examens d'État. Tous ceux qui sont restés après moi en 6e, quand ils m'ont vu à la porte, ils m'ont dit, pensez que parce qu'on arrive en classe d'abord, tu as dit qu'on peut aider Bissot pour te tricher. Mais ils ne savaient pas que j'étais un produit caché de mon père. Je dois vous dire, si à la rigueur, je l'ai resté toujours. Parce que même quand on ressource humaine, j'étais là. La première année, on m'a donné le nom de la rigueur, parce que j'étais vraiment très rigueur. Et ça, je l'ai resté de lui. Malgré des amis que j'avais qui étaient en 6e, qui me connaissaient parce que moi, je venais de finir, j'ai sorti, tu étais métamorphosé ou quoi, c'est pas toi qu'on connaît, mais il m'a montré la voie, comment être un homme de caractère, comment être un homme d'esprit, comment être un homme percutant qui sait percer et qui ne sait pas abandonner. Je vous remercie. Voilà. Je t'en prie de dire que c'est un formateur de formateurs, mais au-delà de tout ça, il a de tout cœur. Merci pour ce que vous avez fait pour vos enfants et merci parce que vous avez accepté aussi la surprise de ce soir. Et la surprise de ce soir, c'est que tous les enfants et toute la famille est unie autour de toi à l'occasion de votre 75 ans. Mais nous voudrions bien voir aussi l'autre partie de votre vie. C'est-à-dire, on nous dit que tu es toujours très fort, tu es toujours très agile. Nous voudrions voir si tu peux exhiber un pas de danse. Et ce pas de danse, quand le papa va s'élever, nous allons applaudir la maman qui est toujours, qui l'accompagne en tout moment, et va l'accompagner. Et nous qui avons apporté des cadeaux, nous qui avons apporté des enveloppes, ça sera aussi le moment de te poser. Abraham, si tu peux nous balancer une très belle chanson pour que notre papa nous excite. Nous pouvons applaudir 75 ans à la piste. Avant, c'est parti. Si il fallait poser, mon Dieu me récupérera. Voilà. Allez. Maboko. Voilà. Est-ce que vos hommes n'ont pas? Est-ce que vos hommes n'ont pas? Voilà, il n'a pas de paille à 75 ans. Ils ont encore la communauté de 2 ans. Oui, à 4 ans. Vous avez pris dans l'enveloppe, on le voyait la guillée. Vous avez pris dans le cadeau, on le voyait la guillée. Vous avez pris dans le cadeau, on le voyait la guillée.
Papa Télé Makakawa, pour combien de la bacano? Merci. N'hésitez pas, n'attendez pas trop. Vous qui avez des enveloppes, vous pouvez passer. Même si ça ne se trouve pas dans une enveloppe à portée de Julie. Ok. Je crois que ceux qui ont apporté des cadeaux. Dans l'entracte, je voulais vous dire que quand papa était stagiaire à Sainte-Cécile, moi j'étais élève à Saint-Félix. Papa, quand vous venez à Sainte-Cécile, comme maître, faites-vous venir à Saint-Félix. La 70, on va aller dans la 5e année primaire, 71, 72. Dis que vous ne pouvez pas vous fatiguer de moi. Faites au nom de tous les enfants. Et ils sont appelés de nous suivre derrière. En live, je me fais le devoir de vous remettre des cadeaux qui va couronner. Je sais que le monde a déjà fait des grandes choses, mais nous, en tant qu'enfants, on a voulu aussi faire en sorte que ça soit encore plus agréable, la soirée. On va voir, vous savez, où c'est des cadeaux. Oui, c'est des cadeaux. Ah, ok. Vous savez, Jacques Laurent. Ah, bouffe. Bravo, 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 bravo. Voilà, je pense qu'on n'aura pas le temps de vous déplacer avec tous les respects, mais je pense que tous les autres et les invités vont vous sentir, et vous-même aussi, vous allez vous rendre compte de ce que vos enfants pour manifester leur amour vis-à-vis de vous, en retour de ce que vous nous avez donné. On a voulu vous remettre ces cadeaux. Ça sera un petit moyen de déplacement pour vous. Ça va permettre bien dit qu'on va vous garder en bonne santé pour que en 25 ans après vous puissiez retrouver ici. Ça va vous permettre avec les embouteillages qui partaient qu'il y a à Matadi, mais que vous soyez protégés dans un cadre épinaire pour que vous ne puissiez pas agresser comme il y avait déjà trop de colonnes ici à Matadi aussi. Merci. Que tous les enfants viennent pour donner. Okay, hein? Est-ce que vous avez compris ces cadeaux? Et puis comme les fanfares qui étaient vannes, hein, mais tu la mankunga, c'est mais si vous l'avez même mon âne, tu es vannes à voir. Et là, quand tu as voix, voilà. Thank you.
Le bois d'avant. Ok. Le final. Le bois d'avant. La bouteille est moins célèbre. La bouteille est moins Vamos
Amen.
Est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services